Aujourd'hui, deuxième jour. Le vrai raid commence. Donc aujourd'hui, c'est de la piste facile. Par contre, d'après Stéphane, ce soir, on est à Marolambe. Moi, je crois qu'on va dormir dans la montagne. On verra bien. Allez, moteur! Attention aux animaux. Nous allons faire un crochet pour admirer les chutes de Tsing Joarivo avant d'attaquer la montagne. Qu'est-ce qu'on fait, on va au monastère? On est pas sur la piste ici. Écoute. La piste est là, hein? À côté, là. Et 252 marches à descendre. Si, Jeannot les a comptés. Je sais pas trop où on va, mais ce qui est clair, c'est que on y va. Tu vois là mon Tintin? Eh ben Lolo, il a dit que toi tu serais passé en moto. Alors, ça monte ou ça monte pas? Tiens Lolo, un arbre à cure-dent. Un arbre à cure-dent. Ah ouais. Bon Steph, où est-ce qu'il est le pont pour traverser? Alors Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? Je consomme deux fois plus que tout le monde. Tous les jours. Ça c'est pas nouveau, on sait très bien que t'es un poids goutte. T'as raison Daniel, t'es peut-être pas venu hein, parce que ils sont toujours en train de bricoler. Lolo aussi hein. Ouais. Même pas un quart. Qu'est-ce que tu nous bricoles MacGyver? Hein? Qu'est-ce que tu nous bricoles MacGyver? Mon MacGyver il est énervé. Nous devons traverser la rivière. Sur Google, j'ai aperçu un petit pont en amont, à 2 km environ. Ah, je crois qu'on l'a trouvé.
pour être plus loin, regarde. Non, attention aux cultures. Le petit pont n'existe plus. Il a été remplacé par un pont tout neuf. Je sais pas, mais c'est chaud. Hein? Je sais pas, c'est en suivant le bord là, mais on peut pas là. Et là où il n'y aurait pas... Là où ils marchent les gamins là. Avec Jeanneau, nous allons prendre un raccourci. Un sacré raccourci, hein. Un raccourci de merde. Bon bah voilà, oui, c'est mis Jeanneau. Moi je suis pas passé. C'est tout. Le paysage est beau. Merde, j'ai le pied dedans. Ah, c'est beau, hein, mais faut qu'on passe la rivière en plus. Je suis allé voir s'il y avait des fraises dans le potager. Loïc, attention aux légumes. Eh, vas-y, fais gaffe au bout de bois. Si on se loupe, ben on se retrouve 10 mètres plus bas. Ah, c'était pas bien. Lolo qui sort d'une passe extraordinaire. Sans doute la meilleure passe de sa vie, je pense.
partir de maintenant, nous rentrons dans l'inconnu. Nous sommes sur les traces des pistes Google. Sans GPS, impossible de s'orienter. Il y a trop de pistes. Le premier piège nous attend. Il y a le chemin, hein, Eo. Mais la pompe, à ce point-là? Ça passe pas, là. Même pas sur les côtés? Oh, merde! T'es sûr? Ah ouais. Il faut aller voir plus loin, quoi. Ah bah oui, ça commence, hein. Ah oui, là, ça passe pas, là. À ce point-là? Non, non, ouais, si, ça passe l'eau, avec une sangle. T'en bouge pas. Non mais il faut continuer là, ça passe mousse. Ah non, ça passe pas. Donc voilà, il y a un trou. Normalement la piste elle continue, elle monte. Le problème c'est que nous on est ici. Sinon il y a par où on a continué avec Jean-Naud tout à l'heure, ça rejoignait un village et il y a un autre passage qui rejoint la vallée. Oh, ça passe pas là. Ça passe pas là. Hein. Parce que là, ça le fait pas du tout. Putain, je me suis tordu la cheville encore dans ces putains de chemins. Ah oui, moi je fais gaffe. Je comprends pas. Là. Ah bah si, il y a un passage là. Non, mais là, ça passe pas. Là. Ah ouais. Bon, attends, Attends, un 4 avec. On a des sangles. Non mais on se fait pas chier, on passe par là-haut et d'accord, on fait le tour. Non, mais attends, ça le fait. Non, alors, non, il y a la marche fait, en bas. Attends, non, t'es d'accord. Oui, ça le fait. Oui. Ça le fait. Presque, non, mais, presque pas pire que ce qu'on a fait. Ouais. Avec lui. Mais ouais, non mais je te jure, attends, ça le fait, ça. Attends. Et comment, il y en a un qui tient. On lâche avec des sangles, ça descend tout seul, sans blague. Et en bas, il y a une marche. Non, et tourne là. Oui, là-bas, regarde. Et après, c'est fini. Hein. Là-bas, au niveau de la baraque où il y a les gens, là-bas, c'est pas possible. Bah, tu sais pas ce qu'on fait? On va? On va voir si là-bas. Ça va pas, là. Grâce au pif de Jeannot, et pas à cause de son pif, hein, nous allons trouver un raccourci sans problème. Super, Jeannot. On va essayer de trouver dans le petit village. Ah bah il y a un Intermarché. Super. Bon bah c'est le premier village. Alors on va manger un zébu frites, c'est ça?
L'aventure commence ici. Ici. Ça va, mousse. Ok, nickel. Putain, là, d'enfer. Quoi. Je crois que c'est avant, c'est impossible. Eh, hey, oh. Et on mange là, il y a des bancs ici. Ouais. Il y a des bancs là. Ah ouais. Ouais, voyons. Et... Ah, vous commencez à poser. Ouais, voyons. C'est quoi? C'est ça. Ah ouais, c'est super, c'est des Vansbourg ou des... Enfin des haricots. Haricots et Walk. Super. Alors c'est quoi au menu ce soir, ce midi? Du riz avec du porc au caramel. Ah. Façon radou. D'ailleurs, radou. Ils nous attendaient. Hein. Ouais. Bon, on paye, on y va? Moi je vais mettre un peu de fanta ananas dans mon... Ah non, ouais, pas de bon. Tu veux du fanta ananas? Oh non. Des bonbons, ouais. Enfin, des bonbons sucés. Ouais, on n'a pas intérêt à oublier les bonbons de journaux. Pour journaux. Un journaux. C'est pas des bonbons, ça? Donc là, on part où, là? On a combien de kilomètres à faire, maintenant, là? Tintin dirait par là. 5 fois la distance donc... qu'on a fait, là, en 1h30, nous, avant la nuit. Hein? T'as le carton que t'as perdu? Hein? D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Il y a une chambre à air. Elle est tombée là. Tu la vois? Tu filmais? Tu filmes le même truc quoi, c'est bien. C'est bien mon journal. D'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Les ponts sont comme ça à Madagascar, j'ouvre deux agences de voyage avec des KTM, des 350, et puis une 525 pour Jean-No, il aime bien les grosses.
justement, en parlant de pont, ça commence. Celui-là, il est sympa. Hein? Si, ça passe, ouais. Ah, je suis passé dessus, moi. Ah, je me suis arrêté, je filme. Ouais, ouais. Non, non, je te disais de passer dans l'eau, c'est plus facile. C'est mieux. Les motards intelligents passeront dans le lit de la rivière. Guy nous dit que c'est pas possible de dormir ici. Il faut aller au village suivant, en espérant arriver avant la nuit. Ça se passe sur la roue arrière. Ici, pas de prise de risque. D'ailleurs, on a une discussion au départ. Celui qui fait le con, qui se casse la gueule, on le laisse sur le bord de la route. On lui laisse le téléphone satellite quand même. Une chance de s'en tirer. Donc voilà, on est en panne d'essence. La moto de Stéphane consomme beaucoup trop, elle carbure mal et elle bouffe de l'essence. On a un petit peu, on va être obligé de transvaser. C'est pas gênant quoi, vu le paysage. C'est comme ça pendant... Ça fait 50 bornes que c'est comme ça. Ouais, on voit ça, on vient du fond là-bas. Ah, il y a un autochtone qui est devant là. Ouais,
merci. Passage de petit pont, tu mets. Mousse, première, passage de petit pont. Mousse, première, passage de petit pont. Il va suivre nos traces, hein. Ah, l'enfoiré, il l'a vu. Première, passage de petit pont. Première, passage de petit pont. Première, passage de petit pont. Oh, putain. Daniel, il va moins vite, donc normalement... Ah non, mais il va tomber dans le trou, là. Faut le prendre avec un peu d'élan, hein. Faut le prendre à gauche. Faut prendre à gauche, ouais. Tu lui dis, dis-lui quand même. À droite, voilà. Bah alors ? C'est un bon bruit, là. Bah alors, monsieur, il fait des sauts ? Mais j'ai fait la même, hein. J'ai vu le pont au dernier moment, hein. C'est ce que j'ai fait aussi. Oh, voilà. Faut mettre gros gaz. Ah ouais, sinon... Le village est en vue. Il est vraiment petit. S'il y a un McDo, je prends deux Big Mac, une petite frite et un Coca. Sans glace. On doit prendre une décision. On s'arrête là, ou on continue au prochain village, qui est beaucoup plus grand. Pendant ce temps-là, il y a Jeannot qui tourne un film porno, pour son iPhone. Lolo, il fait pareil, dans son canapé. Il se gratte les puces, comme ça. Mais comme il est vachement moins souple, à chaque fois, il se fait des déchirures. Après, il me dit, ah, je me suis déchiré au tennis avec les copains, tout ça. Mon cul, oui. Il fait comme le petit chien-chien, là. Il se gratte les puces. C'est ça qu'il fait. La Roulambe, 20 km. On est au village là, il y a encore 50 bornes. Là 50. Non. Bah ça, attends, tu permets. La Roulambe, fier kilomètre. La Roulambe. Guy est en train de prendre des renseignements pour aller à Marolambe. A priori, ça passe pas, la route est coupée. Ah, il dit que c'est coupé pour Marolambe. Hein? Ça passe pas. Allez. Allez. Tu peux mettre des tongs. Allez, allez, la marine. Mandez quoi? Bah, à pied, il faut une journée. Une journée à pied? Ah, ouais, d'accord. Et combien de kilomètres? Ah, ça fait? C'est une journée. C'est une journée, quoi. Ah, ouais, d'accord. D'accord. De toute façon, je l'ai. Tu l'as regardé, hein, comment Daniel, hein, la dernière, la T3, elle fait. Tu m'as dit ça fait 50 km. Il a fait 50 et ça fait 50. Hein, ah ouais. Et on n'est pas au bout de la T2. Hein? Et on n'est pas au bout de la T2. Donc il y a 60 bornes à faire encore. Toi, pareil, bah, Niveau carburant, c'est chaud.
Bon, alors si on regarde une autre. Ah, faut réparer ma moto. Hein. Je sens pas bien les gens dans ce village. Les enfants ne rient plus. L'ambiance s'assombrit. On va finir en boulettes. Des boulettes de blanc, bien grasses, avec du riz. Alors, journaux, il y a des mouches. T'es où là? C'est quoi comme resto? Je suis à l'entrée et en dessert, j'ai commandé des profiteroles au chocolat. Et tu manges quoi? Des nouilles chinoises. Ah, d'accord. Et Stéphane, hein? La poule qu'il a. Alors, Daniel là. Moi, j'ai pas la tatante au fil, mais. Et je crois qu'il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Pas fou, les gamins. Hein. Ils vont pas laisser échapper les boulettes qui grossissent. Voilà mon lit, là. Impeccable. Stéphane fume une cigarette avant d'installer son petit. Ça marche pas dans l'autre sens, hein, les hamacs. Dans l'autre sens, il a fallu y passer, quoi. Et on va aller dans la chambre de Daniel. Dans la chambre du fond, voilà Daniel. Impeccable. Et où ton hamac? Oh là là, fantastique. Putain, mais ils ont refait la déco. Hein? Il commence par le plus vieux. Oh putain, il saigne bien Daniel, dis donc.